ways to say what I really got to say. I don't need your favors, cause I ain't gonna stay. Ain't gonna stay. You see, I got 8 nights, still I start to cry. 8 nights, still I leave this place behind. It's been a long time. Et en plus d'une mercuriale, on revient à peine d'une dominicale intense, une mercuriale until day avec les choses et les choses, dont vous avez vu de nombreux aperçus sur mon Instagram. Et je vous retrouve également demain pour une jupitériale des familles. Des familles. Bon, pour revenir à nos moutons d'aujourd'hui, les filles et les garçons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un content fashion. Mais qui pour autant, rassurez-vous les fashion addicts, pour autant ne va pas me dispenser de vous partager quelque chose au pluriel en fin de mois. Parce que c'est vrai que j'ai plus ou moins poursuivi sur ma lancée des sacs à main à cause de l'une, grâce en réalité, pardon, grâce à l'une d'entre vous, ma coquine complice du crime. Pour l'instant, je ne vous dis rien. Et je me suis également fait plaisir au niveau des maillots de bain et il y a des choses... On va se retrouver à la fin du mois pour un petit quelque chose, mais principalement là encore axé autour de l'accessoire, mais et des chances. Mais je vous retrouve tout de même aujourd'hui pour vous partager le bon plan parce que c'est la date oblige, les délais obligent. Les filles et les garçons, j'ai le bonheur de collaborer une nouvelle fois avec Farfetch sur cette vidéo. Donc les plus fidèles d'entre vous savent, et c'est peut-être la raison qui motive votre présence derrière l'écran, sauf qu'il y a une boîte. C'est vrai qu'il y a le carton. Et c'est vrai que je vous ai partagé vraiment rendez-vous sur mon Instagram. Je vous ai partagé un teasing de Folie. Mais qu'y a-t-il donc dans cette magnifique boîte? Vous savez que ça vient de chez Farfetch. Vous savez également que ça provient de chez Tod's. Tod's, une de mes marques absolues. Et donc il est question, vous vous en doutez, de souliers. Et les plus fidèles d'entre vous vont reconnaître un soulier que j'ai l'habitude de porter. Et c'est vrai que pendant des années et des années, j'ai acheté ces souliers chez l'ami Inditex, Zara notamment, mais pas que Zara et Massimo Dutti. Et quelquefois, pas nécessairement à un très bas prix. Il est question du mocassin en cuir. Je vous dis la vérité, je ne le déballe pas. Ce sont des mocassins en cuir de chez Tod's, donc j'ai la chance de posséder déjà une paire chez Tod's, je l'ai depuis extrêmement longtemps, c'est une marque d'excellence. Donc ce que je vous propose, c'est de vous en partager l'unboxing, mais les filles et les garçons, la raison pour laquelle je vous ai retrouvé aujourd'hui, on n'est même pas à la moitié du mois, et en sus de ce qui nous attend à la fin du mois, c'est que j'ai un code promo que je vous affiche là à l'écran, de 10%, comme la dernière fois, vous avez été tellement nombreuses. Moi, j'étais comme une folle parce que moi, j'adore un discount d'affarmé, surtout sur les choses chères. Surtout, mais surtout sur les choses chères. Attendez, ne quittez pas. Là, je suis en peine à la cure. Pourquoi ça me coule dessus? J'ai pas bien fermé ma enseignante. Donc, oui, 10% avec le code que je vous affiche là à l'écran. La raison pour laquelle je shoot ce content en urgence, c'est que le code est valable pour tout le monde, ce incluant les clients de Farfetch. Si vous êtes d'ores et déjà client de Farfetch, vous pouvez, malgré tout, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il advienne, vous pouvez profiter des 10% que ce code vous confère. Et ceci n'est valable que jusqu'au 30 juin. Après le 30 juin, le code sera valable et offrira toujours 10%, mais aux nouveaux clients de Farfetch. La différence est énorme. Et donc moi j'ai dit non, je veux tout le monde, donc il faut que je shoote très très vite. D'où les filles et les garçons, ma présence en show day, ici même. Donc Farfetch, je vous renvoie vraiment à mon tout premier partage avec eux, c'est une plateforme extraordinaire. Des quelques plateformes distributrices de luxe que je fréquente, c'est celle qui offre le plus gros référencement, c'est celle qui a les meilleurs stocks. Je vous l'ai déjà dit, moi je fais le 38 généralement en termes de vêtements, quelquefois le 40. Et le 39 en souliers. Donc il n'est pas rare, ça m'arrive même tout le temps, que mes tailles en vêtements et en souliers soient sold out ailleurs. Il n'y a pas de stock. Eux, je ne sais pas quel est leur secret, mais ils ont tout le temps du stock. Ils ont du stock, ils ont un beau référencement, les marques de ouf. Des marques dont je n'avais jamais entendu parler avant et que je trouve chez eux. Ils ont un rayon beauté des familles.
un rayon beauté, un département beauty de ouf, Augustinus Bader, les marques Denis chez La Chaise. Qu'est-ce qu'ils offrent? Ah oui, les sneakers, vous êtes nombreuses à avoir attrapé des Air Jordan, vous êtes nombreuses à me dire, Sabrina, où est-ce que tu trouves les Air Jordan, etc. Farfetch, allez voir les Stadium Goods, vous allez halluciner. Donc là, 10% si vous louchez sur une paire de Jordan, par exemple. Donc quelques exclusions s'appliquent, je vous en donne le détail dans la barre d'infos. Mais c'est là encore, comme la dernière fois, petit clin d'œil à ceux d'entre vous, celles et ceux d'entre vous, les filles et les garçons, qui avaient un cadeau à faire. Pas pour eux, un cadeau à faire. Et qui m'ont dit, ah ben, je suis bien contente d'avoir pu profiter des 10%. Et ben ça fait la différence. Donc Sabrina, qu'y a-t-il donc dans cette boîte? Elle est mocassin, la life. Et je le disais, les plus fidèles d'entre vous me voient porter ce type de mocassin. Quand vous les voyez à mes pieds à l'écran, en Instastory notamment, c'était Zara. La plupart du temps. Ou Massimo Dutti. Donc là, c'est grave. Il y a le dust bag. Bethodes. C'est vrai que moi, je fréquente la boutique. C'est un Regent Street à Londres, me semble-t-il. La boutique qui est magnifique. On voudrait tout acheter chez eux. Todd, c'est magnifique. C'est vrai que moi, à date, je ne possède que des souliers de chez eux. Mais même les fringues. Allez jeter un petit coup d'œil à ce qui se fait chez Todd, chez Farfetch. Vous allez halluciner. Et surtout, j'allais dire surtout non. Vous également, les garçons. Tiens, hein. Le dust bag. Ben, j'essaie de vous faire une bonne expérience. Ils sont bien séparés, protégés pour ne pas s'entrechoquer. Et alors, une fois encore, Farfetch, hein, le référencement, les choses, le store, hein, la livraison, la rapidité, DHL, le suivi. Et ce qui est génial chez Farfetch, c'est que ce sont des produits qui viennent du monde entier, mais que vous attrapez chez Farfetch. Mais eux, ensuite, ils vont aller récupérer le produit. Enfin, ils vont faire venir le produit à eux pour vous l'adresser à vous. C'est un truc de malade. Ça ouvre les vannes, ça ouvre les portes à la mode australienne qui est extraordinaire, les pièces italiennes qui sont extraordinaires, ça ouvre le champ des possibles. Bon. Donc voici un premier pied. Bon, on est très bien protégé, monsieur, madame. Ça, elle est croyante. Donc attendez, j'ai son nom. Scarpa Donna chez Todd's. La Scarpa Donna chez Todd's. Donc croûte de cuir. Je vais bien les imperméabiliser, déformer. J'ai adoré. Ben, j'ai adoré ceci. Et ça, moi, l'été, je zone avec ça. Récemment, je vous ai partagé ceux de chez Fine. Là, c'est la version luxe, luxe, luxe. Et moi, je zone avec ça tout l'été. Un pantalon 7/8, un chemisier en lin, c'est par où, un chapeau, c'est le marché, oui. Ah, écoute, il fait chaud, on est confortable. J'adore les mocassins, je les trouve tellement classe et chic. Made in Italy, donc ils n'ont pas le temps. Attends, je sais que c'est ma pointure, parce que je l'ai dit, j'ai la chance de posséder déjà une chaussure. Oh là là! Oui, parce que là, je suis le manche look, c'est le legging de chez Aware. Ben là, j'ai pas la souplesse, si. Quoi, on n'a jamais vu un essayage, il n'y a que chez Sabrina, elle est vraiment trop dégueulasse. Oui, mais tu es meilleure. Je vous les montrerai dans le miroir, je vous les montrerai dans le miroir, promis. Mais dans l'intervalle, voilà ce que ça donne portée. Et il y a un choix de mocassins chez Todd's sur Farfetch, c'est un truc de malade. Je l'ai dit, le choix est... Le référencement, le catalogue est impressionnant. Eh ben, ils sont crémien. Quoi? Non. Je suis trop excitée. Je vous double le bonheur. Hein. Bah, pour une Todd's chez Farfetch, je vous double le bonheur. Monsieur. Tu as vu comme elles étaient bien bah là, c'est le luxe, bien sûr. Si pas la même chose. Crème. Donc, le code, les filles et les garçons, c'est le moment ou jamais, profitez-en. Moins 10%,
Quelques exclusions, je vous l'ai dit, quelques exclusions s'appliquent. Je vous en donne le détail dans la barre d'info, comme la dernière fois. Mais ça n'a pas empêché des tonnes et des tonnes et des tonnes d'entre vous d'en profiter la dernière fois. Vous savez que le sac Calvin Klein que j'avais attrapé précédemment, on l'a sold out. On a épuisé le stock. Et vous êtes nombreuses à... Je te fais un gros bisou, ma sista, tu te reconnaîtras. Vous êtes nombreuses également à être allées jeter un petit coup d'œil sur elle. Vous vous souvenez, ma veste mage, à l'avoir attrapée et elle l'a portée lors d'un mariage sur sa robe noire. C'était beau. Bref. N'hésitez pas à aller visiter les lunettes de soleil. J'ai failli craquer sur une paire de lunettes, mais ça arrive comme j'en ai acheté une récemment chez Mirless. Mais finalement, j'ai craqué pour une paire de Tod's. Donc voilà tout, les filles et les garçons, pour ce seul et unique partage d'accessoires. Tout le reste, c'est tel que promis par le titre de cette vidéo, un craquage robe. Parce qu'au moment où je vous parle, vous avez vu les essayages. Vous êtes là, Sabrina, quelles sont ces robes? Je ne sais pas. Donc, je l'espère. Donc voilà tout pour cet article qui motive donc ma présence en Today, en ce mercredi. J'espère de tout cœur que vous serez dans vos rythmes effrénés, que vous serez présente devant l'écran, parce que c'est jusqu'au 30 juin, avec ce code 10%, jusqu'au 30 juin, pour tout le monde, tous les clients, ceux incluant les gens qui, comme moi, sont d'ores et déjà dans le fichier client Farfetch. Donc ce n'est exclusif de personne. Ça le devient au 30, enfin le lendemain du 30. Bon. Donc voilà, j'espère de tout cœur que ça vous permettra d'attraper un petit quelque chose sur lequel vous avez l'œil et la chambre. C'est une opportunité, profitez-en. Donc je range précieusement mon soulier et je vous retrouve tout de suite, les filles et les garçons, que ça intéressera, avec une très ambitieuse sélection de robes. A tout de suite. Et donc j'attaque, je me remets un peu, j'en ai plus, je suis triste, je vais l'acheter. Gabrielle Chanel. Et celui-ci qui est l'originel et celui-ci qui est donc l'essence, je n'en ai plus des deux. Et c'est vrai que là c'est la période à laquelle je le porte toute l'année, mais là c'est vraiment la période à laquelle je le porte, printemps, été, comme ça. J'ai voulu me l'attraper, parce que je vais vous raconter une saga, parce que c'est pas comme si on avait à peu près 45 robes à shooter, bon, à présenter, pardon, elles ont déjà été shootées. C'est vrai que je me suis empressée de me rendre chez Sepho pour profiter des 25% sur les parfums pour acheter le Gabriel. Tu sais, je me suis dit, je sais pas, l'essence, le Gabriel, je ne sais pas, on verra. Bon, mon cœur balance. Je vais sur le site et dans le même temps, j'ai dit, je vais quand même aller voir chez My Origin. Parce que moi, quand je vais acheter un parfum, mon premier réflexe, c'est My Origin. Je suis allée sur My Origin sans réduction, c'était moins cher que chez Sephora avec les 25%. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, le référencement chez My Origin, j'ai trouvé le parfum pour les cheveux de Gabrielle, le gel douche Gabrielle, le lait pour le corps Gabrielle. Hein, donc j'ai tout mis dans mon panier, ce qui fait qu'au final, même si les prix sont les meilleurs, j'ai un énorme panier chez My Origin. Et donc du coup, ça m'a fait peur, je suis sortie, je suis partie, j'ai pas acheté. Ça vous le fait des fois ou pas? Non, mais parce que c'est vrai que j'ai fui. Bon, pour revenir à mon temps, je termine mon blue dye. Eau de coco, ananas, concombre, citron, phycocyanine et verveine. Donc je termine celui-ci et j'entame celui-ci. Là, pour moi, c'est la pause déj. Ok, Google, quelle heure est-il? Il est 13h05. 13h05. Root Me Up, celui-ci c'était Blue Dye, je l'ai dit, c'est l'un des derniers arrivés à date chez Kitchen. Et là c'est Root Me Up, c'est un de mes préférés, je les aime tous, vous le savez. Carotte, pomme, citron, gingembre, citronnelle, c'est l'équivalent du ACE que vous connaissez toutes. French Cadet, le code est toujours actif. Et je vous retrouve très bientôt, très très bientôt, avec le fameux vlog, en la compagnie du chef Colagreco et de la team Kitchen. Donc il n'est pas trop tard pour en profiter, jusqu'au 30 juin, moins 20% de réduction sur votre cure de jus, votre programme minceur, même si vous êtes déjà, là encore, même si vous êtes client. Ce n'est pas réservé à une toute première introduction au produit, d'accord? Là c'est pour tout le monde, profitez-en. Là c'est mon day 3 de la cure. Et déjà je me sens fifa, je me sens légère, je le vois sur ma bobine. Et je suis bien, j'ai diminué drastiquement le café. Je prends une seule tasse de... Elle m'a dit, Marion, la diététicienne,
Si vraiment tu as besoin de ton café, je lui dis oui, j'en ai vraiment besoin. Elle m'a dit tu peux prendre un café. Mais limite-toi vraiment à un café. Donc c'est mon café du matin, je suis là, c'est religieux et tout. Ça pour moi c'est le truc le plus difficile. Pour tout le reste c'est easy peasy, c'est tellement bénéfique les filles et les garçons, je vous jure, je sais pas comment vous expliquer. Avec le petit snack d'enfant, oui, à 4h et tout. Ben, je m'étais toujours posé la question, citronnelle, et je me disais, parce que moi-même je juice, je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils extraient le... Et bien maintenant, je le sais. Et vous allez le découvrir également ensemble avec moi dans le vlog apparaître très très rapidement. On a concocté des choses. Donc vous allez avoir l'exclusivité mondiale. Bon. Et je l'ai dit, il y a un immense cadeau. Oui, j'arrive sur les robes. Il y a un immense cadeau dans cette vidéo. Ce sont les fidèles spectateurs du dimanche qui vont en profiter en premier lieu. Donc, je vous aurais prévenu. C'est un truc exceptionnel. Exceptionnel. Anormal. Dans la sublimance. Donc, c'est exceptionnellement formidable. D'accord ? Et incroyable. Incroyable. Donc, les filles et les garçons, je me suis sustentée à suffisance, ça, j'attaque. Et alors, vous avez vu les... ben, vous avez vu les shootings, les essayages, les try-ons. J'ai eu une folle envie de robe, parce que les plus fidèles d'entre vous l'ont attrapé et m'ont adressé des messages à cet effet. J'ai fait un gros ménage dans mon dressing. Et c'est vrai que j'avais énormément de robes, et j'avais énormément de robes porteuses des étiquettes. Ce qui veut dire que je les avais depuis très longtemps, et je ne les ai jamais portées. Ce qui veut dire que probablement je ne les porterai jamais. Et à chaque fois que j'ai fait du rangement dans mon dressing, et je les ai vues, c'est pas comme si je les avais découvertes, hein. Il y en a deux, trois que j'avais oubliées, j'avoue, ou 5-6, bon. Chimmy less. Mais je me suis dit, arrête, sois honnête, tu vas pas les porter. Donc je les ai sortis du dressing et là maintenant je me suis dit je repars sur des nouveautés. Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est vrai que c'est là encore pareil que chez My Origin avec toute la gamme du jus. Je suis allée sur La Redoute parce que moi je suis cliente très fidèle de La Redoute. Je sais qu'en ce moment il y a des prix. Donc, mais là où je n'ai pas été très intelligente, là où je me suis mise moi-même dans une tentation, je me suis exposée au risque. Au lieu d'aller sur une. De faire une recherche limitée et tout, j'ai juste tapé robe. Et donc pendant X milliards d'années, à l'époque, je vous jure, c'était pendant le procès. J'étais là-bas devant la télé avec le procès sur YouTube et j'étais comme ça en train de scroller. Je crois que j'ai scrollé toutes les robes de La Redoute. Et donc, au final, j'en avais, je sais pas, 25-30 dans mon panier. C'était un panier à 1000 euros, je sais pas quoi et tout. 1500 euros quoi. Et je me suis dit, attends, bon, alors attends, maintenant il faut supprimer. Et donc j'ai procédé par élimination. J'ai gardé cette sélection-là. Je ne sais pas si je vais toutes les garder. Mais en tout cas, je les ai là en ce moment à ma possession. Je les ai essayées. Et donc j'entreprends de vous en délivrer le détail, pas plus tard que tout de suite. Et si vous avez vu les essayages, peut-être que vous êtes extrêmement étonné de voir Sabrina dans une robe de Cendrillon quelque part. What? Ben, c'est vrai que j'ai craqué. Je l'ai imaginé vraiment sur une peau bronzée, très bronzée. Un chignon. Avec peut-être des petites mèches comme ça. Je vois l'empanchouk. Pas de boucle d'oreille, mais un joli collier parce qu'il n'y a pas d'épaule. C'est un bustier, c'est une robe bustier. Et très étonnamment, considérant mes goûts, ma personnalité et mon dressing, elle est rose. Que voulez-vous ? Et elle est sublime, et la voici donc chez Naf. Donc, plutôt que de vous ressortir Bibi les essayages, je vais vous la mettre telle qu'elle est présentée par le vendeur. En l'espèce, là, c'est Naf. Je vous la mets là à l'écran telle qu'elle est présentée par les marques. Je vais vous attacher les vêtements à l'écran tels qu'ils sont présentés par la marque. Mais vraiment pour les voir porter sur moi, et c'est là vraiment qu'on prend la juste mesure de ce que donne le vêtement, je vous renvoie vraiment à mon Instagram. Dans mon IGTV, j'ai créé un highlight. Vous êtes nombreuses à m'interroger sur ce que sont les highlights. Les filles et les garçons, lorsque vous allez sur mon Instagram, tout là où il y a ma bobine,
sur une vidéo chitchat que si vous ne l'avez pas vu, il faut la voir. Bon. Et ensuite, il y a mes infos, etc. Et vous les voyez, les boulettes là, les boulettes. Ça, ce sont les highlights, ce sont des fichiers, des dossiers en fait. Il y a un fichier Maïté, un fichier botanique, un fichier ameublement, déco, un fichier keto dessert, un fichier... Ouais. Et bien, j'ai créé récemment un highlight, ça quand même. Parce que toi, tu sais que j'ai commis et on n'en a pas terminé, je l'ai dit. Mais je crée également un highlight robe ou dresses, d'accord? Et vous allez retrouver tous les essayages. Il y a un highlight Amazon Aware. Donc, elle est magnifique. La robe bustier qui va bien des familles. Là, je la détache de son cintre. J'avais gardé l'étiquette pour vous le montrer. Parce que chez Naf-Naf, c'est une collection premium. Chez Naf-Naf, c'est une collection particulière. Et je suis absolument ravie, moi, d'attraper Naf-Naf chez La Redoute. Parce que je n'ai pas... Est-ce que ça existe encore, les boutiques Naf-Naf? Ça existe encore ou pas? J'ai fréquenté Naf-Naf j'ai fréquenté Naf-Naf quand j'étais invitée à un mariage. Et qu'il fallait trouver une tenue, J'allais, généralement, je trouvais de jolies choses chez Naf-Naf. Donc la robe, je la défais de son cintre. Et la voici donc. Ben ça, c'est très formidable. Donc on est sur un quelque chose de bustier en dentelle. Tu sais? Très craignant. À l'arrière, c'est un confort. Ça s'appelle smoké. Le dos est tellement confortable. Première chose. Deuxième chose, au niveau des barbelles, ceci-là fonctionne parfaitement. Vous savez, c'est cette espèce de revêtement qui adhère à la peau, comme pour les soutiens-gorge sans bretelles. Eh bien, il adhère vraiment à la peau. Très formidable. Vous m'avez vu l'essayer. Le petit ruban de satin pour marquer la taille. Et la jupe en... Comment est-ce que ça s'appelle ça? Tulle. Le tulle, c'est masculin, me semble-t-il. Sur une doublure extraordinaire en soie, etc. Et les petits strass, pas très nombreux, mais suffisants. Elle est magnifique. Jamais j'aurais pensé que je porterais une pièce comme ça. Mais quand je me suis vue dedans, j'ai dit, non, je vais la garder par contre. D'accord? Cool. Mais là, vous revenez pas. Là, vous dites, je reviens pas. Allez me voir l'essayer. Je vous jure que porter, elle va finir de vous convaincre. Je sais. Pour une circonstance particulière, exceptionnelle. D'accord? Un tapis rouge, quelque chose. What? Non, mais tu sais, pour une circonstance un peu particulière. Et je me vois sortant de ce fameux event... retirer mes escarpins pour chausser une paire de Air Jordan, un blazer par-dessus ma robe et partir dans Paris la nuit, sous la pluie, en courant. What? Sous la tour Eiffel. What? Tu sais, elle est magnifique. Donc, je poursuis avec une autre robe. Et alors là, c'est vrai que c'est ce qui est formidable sur La Redoute. J'ai beaucoup de mango. J'ai du Joséphine, qui est une sublime marque qui fait remarquablement le lin. J'ai une marque inconnue au bataillon, mais chez laquelle j'ai attrapé 5 robes. Pas une, pas deux, pas trois, pas quatre. Fünf, ladies and gentlemen. J'ai du H&M, qui n'a rien à voir avec La Redoute, mais j'ai attrapé une jolie robe chez H&M. Et du mango, en veux-tu, en voilà. Parce que dans cette vidéo, il y a de la robe estivale à 80%, mais il y a quand même de la robe d'hiver que j'attrape maintenant. Parce qu'il y avait des prix, moi j'attrape. Et donc, et les choses. Donc, je poursuis avec celle justement que j'ai attrapée chez H&M. Vous m'avez vu la porter. Par pudeur, dans la vraie vie, je vais la porter sans tabou. Mais là, c'est l'Instagram, ce sont les internets. Par pudeur, j'ai un tout petit peu couvert mon chest parce qu'elle est vraiment bien décolletée. Donc, dans la vraie vie, je vais la porter sans problème. Mais par rapport à l'internet, je suis pas grand. Et elle est croyante. H&M. Donc là encore, je vous mets la photo de telle que présentée par H&M. Mais allez me voir porter cette robe. Elle est très formidable. Et il est rare que pour nous, les grandes, les longueurs de ces robes soient suffisantes. Là, la longueur est parfaite. Donc toutes les femmes peuvent la porter. Tout le monde peut la porter. Elle est bien mignonne, les choses.
À l'arrière, c'est plus ou moins un dos, pas exactement nu, il y a juste une attache centrale, mais c'est nu en haut et nu en bas, donc il faut vraiment le... Moi, je mets un soutien sans bretelles et le Wonderbra, c'est parfait. Elle s'est très formée. Elle est doublée déformée. Elle est magnifique. Portée, tu vois cette boucle d'oreille, ça. Un cheveu là, un cheveu libéré. Un cheveu libéré, une gouffa comme ça. Et on est profite, on est là. Tu sais? Avec une. Même une, celle de la dernière fois là. Vous vous souvenez les filles ou pas? Vous êtes tellement nombreuses à les avoir attrapées. L'équivalent des orangs de Maison Hermès, dont je vous reparle bientôt. Mais chez The Drop, Amazon The Drop, vous êtes très nombreuses à les avoir attrapées. Et bien avec ça, c'est très formidable. Parce que là, dans les essayages. Vous avez remarqué, c'est toujours la même paire de chaussures que j'utilise parce que je suis extrêmement confortable dedans et ce sont des mules. Donc j'en sors et j'y entre en un quart de seconde. C'est la praticité. Mais je ne vais pas nécessairement porter cette robe avec des talons. Je vais la porter vraiment avec un... Ou des espadrilles. Les espadrilles. Donc il y avait beaucoup de ventes. J'ai beaucoup vu Castanière qui est une marque emblématique pour quiconque apprécie les espadrilles. Tu sais compenser là les hein ça là, ça avec ça elles sont beaucoup il y a, pardon c'est ce que j'étais en train de vous expliquer si c'est je pense que c'est encore le cas au moment où je vous parle il y a Castanière beaucoup chez Lipi et les prix sont super intéressants donc voici pour cette trouvaille jolie trouvaille très peu chère chez H&M et donc et bon ben là c'est vrai que je vais attaquer avec cette fameuse marque que j'ai dégotée chez La Redoute et de laquelle je ne savais rien ni d'Adam ni d'Ève. Donc je commence par le trio, ben, le trio des familles qui va vous émouvoir sur Instagram. Attendez, ne quittez pas parce que là je suis dans un imbroglio. Bon. Et donc cette fameuse marque, les filles et les garçons, c'est Donalisa. Donalisa, est-ce que c'est italien? Peut-être. Voici la première robe dans le noir. Voici ce qu'elle donne portée. Elle arrive originellement avec une ceinture que je pensais avoir apportée, mais sur laquelle... Ah, voilà. Elle arrive avec cette ceinture. Je n'en ai pas raffolé. Je n'en ai pas précisément raffolé de cette ceinture. Donc, pendant les essayages, je l'ai portée avec l'une de mes très larges ceintures en cuir. Marron rouge. Un marron très chaud, comme ça. Hein? Et le confort de cette pièce, la légèreté, la longueur, là encore moi qui suis grande, j'aime tout dans cette pièce, je la garde absolument, elles n'étaient pas très chères. Le V est bien, il ne laisse pas ouverte, la porte ouverte à toutes les fenêtres. La longueur des manches est mignonne, d'accord. L'élastique de la taille est exactement là où il doit être. Elle est parfaite. Donc elle est elle est pas doublée mais elle n'en a pas besoin, il n'y a pas de transparence. Le tissu est miraculeux dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il est à la fois assez épais pour être absolument opaque, mais dans le même temps hyper léger et c'est pas chaud. Ingrid, ça s'appelle. Et alors là où c'est encore... c'est une taille unique. Et maintenant que je l'ai essayé, je comprends qu'elle soit taille unique. Elle est extrêmement confortable à porter. Donc, je me félicite de l'avoir attrapée également dans le kaki. Vous avez vu les essayages? Dans le kaki. Bah, dans le kaki. Honnêtement, je pense que c'est ma préférée. Mais je pense que c'est ma préférée parce qu'au moment où je l'essaye, c'est-à-dire là, il y a quelques jours, enfin, c'était hier, je ne suis pas bronzée du tout, là. Il pleut non-stop. Bon. Et quand il pleut pas et qu'il fait très soleil, je suis là en train de chanter. Par exemple, comme aujourd'hui. Bon, not complaining. Donc, pour l'instant, ma préférée, c'est la kaki. Mais je pense que quand je serai vraiment bien bronzée, la noire va... Donc, la kaki. Et c'est vrai que contre toute attente, j'ai attrapé la rouge. Ben, la rouge. J'ai attrapé la rouge. C'est trois fois la même robe. Dans la même taille unique. Ingrid. Et elle est magnifique. Ben, elle est magnifique. Magnifique. Je vous renvoie mes essayages. Et donc, chez toujours chez Donalisa.
Mais c'est vraiment une marque intéressante parce que là, j'ai attrapé deux autres robes qui n'ont rien à voir avec cette fameuse Ingrid. Et alors, c'est vrai qu'il y en a une qui m'a interpellée parce qu'elle m'a rappelé, étonnamment, l'Afrique. L'Afrique. Parce que le motif déformé. Ça, c'est une résolution que j'ai prise pendant très 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 longtemps. J'étais contre les motifs. Les rares imprimés, entre guillemets, qu'on trouvait dans mon dressing, c'était les rayures. Généralement sur des chemisiers. D'accord ? Mais là, j'ai dit non. Et alors, la 40, là, j'ai 40 ans. Je suis à l'aube, là, c'est l'aube, l'aube, l'aube. Non, j'ai envie de motifs. J'ai envie. Et bien, elle m'a vraiment tapé dans l'œil. Et maintenant que je l'ai reçu, c'est le SM chez Donalisa. Elle s'appelle Irabo. Je ne sais pas pourquoi j'ai roulé le R. Irabo. D'accord ? Donc, Donalisa by Richie Jeans. Ah bon? C'est le SM. Et c'est vrai que là, c'est un petit quelque chose d'intimite, ma mesure. Je voulais remettre en avoir des faux. C'était pas prévu, mais puisqu'on est là, ce sont les partages de la vraie vie sans tabou. Elle est pas trop belle. J'aime tout dans cette robe. Et là, c'est pareil, je suis extrêmement pâle. Vous voyez, c'est la tristesse. Mais bien bronzé, avec des bracelets, des jonques. Tu sais les jonques? L'ampancholouk. Une boucle rouge qui va rappeler un peu le... C'est vrai ou pas? Mais sûr. Ben, elle est magnifique. Donalisa. Je veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'était une cinquantaine d'euros. Un peu moins. Il y avait des soldes, donc je sais plus quel était le vrai prix que j'ai payé. Il y avait des discounts de ouf, donc entre le vrai prix et ce que j'ai payé, je sais plus. Mais très craignant. Pareil, la taille marquée par un élastique. Le confort, comme ça quand il va faire très chaud, mais pour être quand même un petit peu craignant. Et la dernière robe, ben c'est celle qui est pour moi, je me suis dit bon, je la commande parce que je sais la facilité de renvoyer les produits chez la Redoute. Je me suis dit, je vais la commander. Tu vas probablement pas la garder, mais ça vaut le coup de la voir. Et bien maintenant, quand je l'ai, honnêtement, voilà le processus. Quand je l'ai sorti du paquet, j'ai dit non, je vais pas la garder. Mais une fois que je l'ai essayé, j'ai dit oh yes, please. Le motif qu'on n'a jamais vu chez moi. Regarde. Colchique dans les prés fleurissent. Voilà. Oui, moi j'ai des références musicales éclectiques. Vous êtes déjà prévenus. Hein. Colchique dans les prés. Et donc elle s'appelle Icar. Ouais, c'est bien trouvé. Et bien figure-toi que portée, je la trouve magnifique. Je l'ai trouvée efficace. Et je ne sais pas pourquoi elle m'a donné une vibe de Pretty Woman. Don't ask. Je la trouve très belle. Ben, je l'ai trouvée très belle. Je vous les ai toutes mises systématiquement à l'écran. Allez, si vous n'êtes pas convaincu en disant non, là, Sabrina, elle m'a pas. Allez la voir porter. Je préfère vous dire une chose. La preuve par l'image. Je préfère vous dire une chose. Crème. Donc, voici pour ce qui était de Donalisa, donc, qui est cette marque que je découvre. Est-ce que c'est moi qui suis complètement à côté de la plaque et vous la connaissez, on la trouve partout, c'est juste que je ne le sais pas? Ou est-ce que vraiment c'est une marque niche qu'on a dégotée chez la Redoute? Let me know. Hein? Donc, Chili en suivant. Ben, c'est vrai que le lin. Alors attends, parce que là je fais des bêtises avec mon éclairage. Ben, le lin. Donc, c'est vrai que moi j'adore le lin. Ben là, j'adore le lin. Ça, c'est un chemisier que je vous ai partagé lorsque je l'avais attrapé chez H&M. Et c'est vrai que moi j'adore le lin. En été, c'est formidable. J'avais très envie de robe en lin. Et donc, chez La Redoute, il y a cette marque que j'avais déjà vue, là, pour le coup, à la différence de Donalisa. C'est une marque que j'avais déjà vue, ça et là, qui s'appelle donc Joséphine. C'est pas donné, mais c'est du lin de très très belle qualité. Et ce sont des coupes originales. Et donc, je me suis attrapée ce numéro. Chez Joséphine, donc, sur La Redoute. Joséphine French Cloth Cocorico, c'est une marque française. Et là, ça vous dit peut-être rien. Où est passée la ceinture? J'ai perdu la ceinture. Marziette? Ah non, elle est là. Dieu bénisse. Je commence à m'inquiéter. Portée. Je vous mets là la photo de la demoiselle qui était magnifique. J'ai bien aimé son make-up, cette demoiselle. Mais alors ça, portée, c'est d'une grande efficacité. Et elle a des poches.
Et dans mes essayages, vous voyez mettre la main dans la poche, c'est très formidable. Très formidable. Ça, pareil, avec un panier en osier, un beau chapeau, c'est par où, Mykonos, oui, on prend les escaliers, on va au marché aux poissons, je suis bien, il fait très chaud, mais je suis extrêmement au frais. What? Je suis bien. Joséphine, chez la Redoute. Je vous renvoie aux essayages. Et on peut doser le serrage à la taille, soi-même. C'est ça qui est très formidable, c'est le cas pour toutes les robes. Très formidable. French Cloth, Cocorico Joséphine, magnifique. Et en fait, toujours dans le lin, plus chez Joséphine, mais chez une autre marque que je ne connaissais pas là non plus, et qui s'appelle donc Natura, vous les connaissez ou pas? J'ai attrapé ce petit numéro. Vous savez combien j'aime une robe chemise? Ben là, c'est une robe... En fait, c'est pas une robe chemise, elle a un col polo en lin. Ça, c'est vraiment pour la détente. Donc, on peut la porter ceinturée avec, par exemple, la ceinture que j'ai utilisée pour les robes d'Onalissa de tout à l'heure, que vous avez vu dans les essayages. Mais moi, je pense vraiment que je vais la porter sans ceinture, juste comme ça, robe chemise. Donc, je vous préviens, hein, je reçois souvent des commentaires à cet effet. Je n'ai pas repassé les vêtements, je n'ai pas stimé les vêtements pour les essayages. Parce que, rendez-vous compte, les essayages avec tout seul, ils ont pris plus de 3 heures. Moi, je kiffe, il y a du son et tout, mais c'est très long. Et moi, je repasse un vêtement, je vous l'ai déjà dit. C'est peut-être pas, c'est pas professionnel pour une influenceuse. Mais moi, je repasse le vêtement quand je dois le porter. D'accord? Genre là, ma chemise, je l'ai stimée pour vous. Mais bien sûr. Dieu bénisse Stimoine. Et Dieu bénisse l'eau déminéralisée senteur fleur de coton. Là. C'est très formidable, mais ça, c'est pas le sujet. Elle est magnifique. Même si elle n'est pas repassée, dans les essayages, vous voyez le potentiel de cette robe. Ben, je trouve que c'est une très belle trouvaille. Elle n'était pas très chère. Et c'est du très beau lin. Là, dans les essayages, je me suis efforcée d'attraper le tissu, de poster, de diriger le téléphone vraiment sur la matière pour que vous les voyiez correctement. C'est plus parlant que dans le miroir. Très beau lin. Du très, très beau lin. Très beau lin. Donc, voici pour Natura. Et enfin, le dernier fournisseur de robes de cette vidéo, c'est Mango. Et alors Mango, j'ai trouvé des choses dans tous les azimuts chez Mango. Dans un premier temps, et elle est extrêmement ressemblante de du caftan que je portais dimanche dans la vidéo d'Hermapanning, que je vais reporter demain dans la vidéo qui vous attend, c'est un caftan. Il vient de chez Zara dans les années... ça fait quoi, j'allais dire 5 ans, peut-être moins. Je l'avais attrapé chez Zara. Vous êtes tellement nombreuses à m'avoir posé la question par rapport à la vidéo d'Arma Planning. Mais qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que tu portes? Nombre d'entre vous ont pensé que c'était un kimono. Certains ont pensé que c'était un chemisier. D'autres pensaient que c'était un peignoir. C'est un caftan que j'ai attrapé chez Zara. Je vous l'avais partagé à l'époque. Donc là, c'est une robe. J'ai attrapé 5 robes chez Mango. Je vous ai dit, il y en avait 30 dans mon panier au départ. 5 robes chez Mango, elles sont toutes extrêmement différentes. Là, en tout premier lieu, et là encore, c'est une pièce que je n'ai pas repassée qui va donner le full potentiel une fois qu'elle sera repassée. Est-ce que ça filme? Je pense que oui. Oui, Dieu bénisse. elle ressemble beaucoup justement à ce caftan que je mentionnais à l'instant, qui vous a tellement plu. La robe de la life chez Mango. Ah bah là, c'est la robe de la life. J'aime tout. La couleur, je suis beaucoup dans le vert en ce moment. La couleur, la coupe. Là, c'est pareil, on peut la porter avec une ceinture, mais moi, la vérité, je vais la porter comme ça, je pense. Le V est sublime. La coupe des manches est sublime. La longueur est craignante et... Elle est ouverte sur des latéralités, vous le verrez lors des essayages. Elle est ouverte sur des latéralités, mais c'est raisonnable, ça remonte pas. Une pièce sublime. Mango. Ben Mango, c'est vrai que là, ils mettent pas le prix. Mais le prix était très raisonnable, c'est le médium. Elle est magnifique. Allez me voir la porter, parce que, allez la voir porter sur moi, c'est ce que j'essaie de dire. Bon, et c'est vrai que là, c'est pas du tout, ne le prenez pas du tout comme un manque de respect. Je sais, je le comprends évidemment, que stimer, repasser, c'est là qu'on voit tout le potentiel de la pièce.
Mais concrètement, j'avais pas le temps. Enfin, ce n'est pas faisable. Et même, je vous dis la vérité, même si j'avais le temps, je ne le ferais pas, je suis honnête avec vous. Parce que je vais les repasser et tout, ça prend des heures et tout, c'est très long. Et après, je vais les mettre dans le dressing avant de se refroisser. What is the point? Non. C'est, je vous l'ai dit, j'ai jamais compris les gens qui repassent des corbeilles entières de linge et après on met des trucs qui se refroissent. Non. 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 C'est du temps que je passe à vous poster, créer du content, à vous poster, à lire quelque chose. Bon, là, pas à cuisiner, mais le reste du temps, etc. Je préfère faire des choses de la vraie vie plutôt que de repasser. Mais chacun voit midi. Bon. Elle est magnifique. Donc ça, c'était la première pièce. Ensuite, mais là, Mango, ils nous ont éclaté. Et c'est vrai que j'ai fait quand même un pari. Parce que je vois cette robe chez Mango sur la redoute. J'ai dit pardon. Tout m'a plu. En tout premier lieu, la coupe. J'aime les vêtements étranges. Les designs différents, les choses un peu étranges. Ensuite, je l'ai toujours dit, j'adore. J'ai jamais su expliquer. J'adore les vêtements drapés. Tu sais, quand c'est drapé. Et à ce titre, c'est vrai que moi, chez COS, les plus fidèles d'entre vous savent, chez COS, j'ai attrapé des hauts drapés, quelquefois qui m'ont coûté excessivement cher, mais parce que le drapage, j'adore un drapé, je trouve ça extrêmement élégant. D'accord. Donc cette pièce, comprenez-le, il fallait absolument que je l'attrape. Elle réunit déjà ce que j'ai dit en tout premier lieu, un design atypique. Atypique. What? Le drapage big time, la couleur. C'est-à-dire que c'est un écru scintillant. Un écru scintillant. Mais sur une scintillance bien amenée. Tout était formidable. J'ai dit non, elle, je veux pas savoir. Surtout que je suis allée sur le site de Mango. Et sur le site de Mango, elle y est plus, elle y est pas. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'attrape Mango chez la redoute. Je ne sais pas l'expliquer, mais ils ont du stock que Mango eux-mêmes ils n'ont pas. Je sais pas. Bon. Il va y avoir une explication que je n'ai pas, mais bon. C'est un fait. Je l'ai vérifié à des tonnes de reprises, notamment quand j'essayais d'attraper les chaussures, plusieurs fois. Et il y a la mouche. Donc pour revenir à la matin, etc., etc. J'ai dit non, je ne veux pas savoir, elle, il me la faut dans mon panier, et il n'y avait pas ma taille. J'ai dit, bah tu sais pas. Je vais tenter le S. Puisque c'est pas une robe droite, près du corps, etc. Elle est très, comme ça, suave. What? Je vais tenter. Au pire, ça va se voir sur les épaules. Mais je tente. Et si ça va pas, vraiment, je la présenterai au Systase et je la renverrai. Et ben ça va. Je vous renvoie aux essayages. Sabrina, après 25 minutes, montre-nous la pièce. Non? Si, si. La voici. Donc ça, c'est une grande gravité. Mango. Et je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer. Je ne vous mens pas. C'est le S. Moi, je n'ai rien à voir avec le S, généralement, lorsqu'il est question de robe. Mais c'est le S et je trouve qu'elle me va. Je pense honnêtement que le M aurait été trop grand. Tu as ça? Donc, c'est très formidable. Je vous la mets là à l'écran, telle que présentée par Mango. Allez me voir la porter, c'est grave. C'est très grave. Et donc, c'est cette matière, quand je vous ai dit scintillant tout à l'heure, vous avez dit non, là, Sabrina, vraiment, elle a exagéré. Vous voyez, la scintillance, ça, c'est élégant. Là, ça, c'est vraiment, je la porte, c'est tenue de gala, ça. Avec des boucles d'oreilles imitant les diamants. Bien sûr, un œil chargé, une bouche nude, ou l'inverse, une bouche très rouge et un œil très léger. Et des escarpins nude très haut, bien sûr. Allez voir les essayages de cette robe. Elle va vous éclater. Et je l'ai dit, donc à gauche, ça fait chauve-souris, bat wings. Bat wings. Et au milieu, il y a ce drapage déformé. Elle est longue sur une longueur mi-mollet, quasi cheville, mais mi-mollet. Et la légèreté, elle a sa propre mouvance. Elle danse, cette robe, elle danse. Mais j'ai dit comment ? Mango. Mango. Ben Mango. Mango qui a décidé de nous éclater.
Donc ça c'était le spécimen numéro 2 de chez Mango. Il en reste 3. En réalité il en reste 2. Une qui est déclinée dans deux têtes. Et je l'ai dit, ce sont des robes hivernales, automnales hivernales. Donc vous allez me voir les essayer avec la même, la fameuse mule à talons parce que c'est très facile. Mais ce sont des robes que je vais porter avec des bottes, avec des bottes. Il y en a une, vous la connaissez déjà. En fait, vous connaissez sa version marron parce que je l'avais déjà attrapée dans le marron il y a quelques mois et je vous l'avais partagée ici même lors d'une vidéo fashion. Et je n'arrivais pas à attraper sa sœur jumelle dans le blanc écru ivoire. Eh bien, j'ai réussi. Chez Mango, c'était impossible de l'attraper. J'ai fait le tigre. J'ai fait le tigre pour cette robe. Tellement que la version, je l'avais essayé. La version marron m'a éclaté. Je l'ai portée et tout. Elle a éclaté tout le monde. Impossible de l'attraper chez Mango. Je l'ai vu chez La Redoute dans ma taille. J'ai dit, j'ai même pas réfléchi. Et en plus, elle était soldée. La voici. Vous m'avez vu l'essayer là. Je l'ai essayé ensemble avec toutes ces robes. J'avais chaud. Elle est magnifique. C'est une matière qui est incroyable. La coupe est incroyable. La longueur des manches, le col rond. Je vous la mets là telle que présentée par Mango. Cette robe, les filles, vraiment, si vous ne l'avez pas attrapée, il faut l'attraper. Et dans le marron, elle est magnifique. C'est une très, 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 très belle pièce. Donc là, rien à voir avec, là encore, avec ou sans ceinture. Donc rien à voir avec, là, c'est l'été. Mais à l'automne, je serais contente de la trouver. Ça, ça te fait une tenue habillée avec un truc easy. En 5 secondes, t'as un look, ça, une botte, un manteau sur les épaules, et t'as le look. Le look, bien sûr, vraiment. Donc elle, vous ne la découvrez pas, vous l'avez déjà découverte dans le marron, donc c'est un bis repetita. Elle, en revanche, vous ne la connaissez pas. Ah ben, j'étais choquée de cette robe. On est plus sur une forme trapèze. Elle est... Voici ce à quoi elle ressemble portée par le mannequin. Je vous jure que portée dans la vraie vie, elle ne donne pas du tout ça. Allez me voir la portée. Donc... Elle est absolument sublime. Je ne suis pas sûre que ce soit noir. C'est un gris anthracite, très foncé. Et je l'ai attrapé également dans le marron. Et ça, ce sont des robes qui m'ont coûté, je crois, 23 euros. 23 euros. Mais le rendu... Donc, allez me voir les essayer. Et vous voyez ma cheville et vous voyez mon mollet. Mais imaginez-les avec une botte, un manteau, le look automne-hiver. Bien sûr, il faut visualiser. Et elles sont croyantes. Ouais, bien. Donc, c'est par elles, les filles et les garçons, que prend fin notre très agréable rendez-vous mercurial, dit-elle, sans tabou, et dans une modestie qui la caractérise, mais en tous les cas, je voulais vraiment vous retrouver aujourd'hui. J'espère de tout cœur que ça ne découragera personne de me retrouver à la fin du mois avec le content fashion, parce que de toutes les manières, là encore, il va y avoir, je l'ai dit, je n'en fais pas un mystère. Là, j'ai acheté beaucoup de robes. Il ne va pas y avoir énormément de choses, je vais vous présenter. Là, il y a déjà des choses qui sont déjà là. De l'accessoire, parce que c'est vrai que j'ai agrandi une collection de sacs à main, mais tu me laisses. Du sac à main, des choses très formidables. Du maillot de bain, en veux-tu, en voilà. Et ce sera des petits partages bien sympathiques. Donc pour l'heure, je vous laisse ici pour cette vidéo. J'espère de tout cœur que vous êtes au rendez-vous. N'hésitez pas à me partager l'article que vous avez préféré. Et surtout les filles et les garçons, n'oubliez pas de profiter de mon code de 10% chez Farfetch. Pour tout le monde, à l'exclusion de personne, mais à l'exclusion de certaines marques, je l'ai dit, donc je vous donne le détail dans la barre d'infos, ensemble avec le lien direct de mes Tods. Elles sont croyantes. Et jusqu'au 30 juin. Donc n'hésitez pas à en profiter. Donc je vous laisse ici pour aujourd'hui. Comme dit, rendez-vous demain. Bah là j'en ai la cheville qui claque. Rendez-vous demain à 18h. Rendez-vous demain à 18h. Est-ce que je vous ai déjà posté un teaser? Vous avez vu le thé ou pas encore? Donc pour l'immédiateté, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Mouah. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin des vôtres. Et je vous retrouve donc demain. Bye!